Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Regional Vice President and Circle of Champions member, Mr. Michel Destruel! Avant de démarrer cette formation, before starting the training, je vais vous demander trois choses. I'm gonna ask you three things. Parce que le jeu commence maintenant. Because the game is starting now. Je vais vous demander la première des choses. First, n'allez pas au WC. Don't go to toilet, please. La deuxième des choses. Second, n'allez pas boire de café. Don't go drinking coffee. Et la troisième des choses. And third, je vais vous demander de prendre des notes. I'm gonna ask you to take notes. De prendre un stylo et un papier. Take a pen and paper. Et de noter tout ce que je vais vous dire maintenant. And write down all the information I'm gonna give you. Parce que le fait d'écrire, because if you write, vous allez ancrer dans votre subconscient, you're gonna put in your brain, plein d'informations, a lot of information, qui vont rester gravées à vie dans votre esprit. And they're gonna stay all your life in your brain. Je m'appelle Michel Destruel. My name is Michel Destruel. J'ai démarré ASEAN le 27 novembre 2008. I started ASEAN on November 27, 2008. J'étais chef d'entreprise dans le secteur de la remise en forme. I was an entrepreneur in fitness center. Et j'ai un ami à moi qui est venu dans mon bureau me présenter ASEAN. And a friend of mine came to my office to present me ASEAN. Et en 5 minutes de temps, and in 5 minutes, il m'a expliqué que j'allais pouvoir gagner beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. He explained to me that I would earn a lot of money with ACN. Mais moi, je connaissais qu'une seule société en marketing de réseau. And I only knew one MLM company. Je pense que vous connaissez tous Tupperware. I think you all know Tupperware. Et moi, j'ai ma tante qui fait Tupperware depuis plus de 35 ans. And my aunt have been doing Tupperware for more than 35 years. Et je vais vous dire sincèrement. And honestly, je ne voyais pas faire des réunions avec mes copines. I couldn't see myself making meetings with my girlfriends. Par contre, je me suis dit que si ma tante gagne de l'argent en vendant des boîtes en plastique qui étaient garanties à vie, but I told myself, if my aunt is making money with selling plastic boxes, j'étais certain, I was certain sure, de gagner de l'argent avec un produit ou un service que tout le monde utilisait avec ou sans moi. That I could earn money with the products and services that everybody's using. Donc j'ai démarré de suite. So I started at once. J'ai investi 500 euros de suite. I invest 500 euros at once. Pour moi, c'était logique d'investir de l'argent. It was logical to invest money. Parce que j'avais investi plus d'un demi-million d'euros dans mes sociétés. Because I had invested more than 500,000 euros in my companies. J'avais 15 salariés. I had 15 employees. Je travaillais plus de 80 heures par semaine. I used to work more than 80 hours a week. J'ai attaqué de suite l'affaire. I started at once the company. J'ai atteint les premières positions de cette activité en 5 semaines et en 3 mois. I reached the first position in 5 weeks and 3 months. Ça n'a pas changé ma vie financière. This didn't change my financial life. Par contre, ça a bonifié mon quotidien. But it get my life better. J'ai commencé à faire des compléments de revenus. I started to earn additional incomes. En parallèle de mes salaires de chef d'entreprise. As I earned money like an entrepreneur. Par la suite, j'ai atteint cette position de team coordinateur. Then I reached the team coordinator. Et je vais vous dire sincèrement, and honestly, et droit dans les yeux, in your eyes, si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. If I did it, you can all do it. S'il y a des gens dans cette salle qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, if there are people in the arena who think they don't have time, vous vous mentez à vous-même. You are lying to yourself. Parce que la réalité, c'est que moi, j'avais pas le temps. Because the reality is that I didn't have any time. Je bossais 80, 90 heures, 100 heures par semaine. I used to work 100 hours a week. Et malgré tout, j'ai réussi à atteindre cette position de TC. And I reached the team coordinator position. À partir de là, j'ai commencé à gagner très très bien ma vie avec ASEAN.
At this moment, I started to earn a lot of money with ACN. Et là, j'ai pris la décision de vendre, de mettre en vente mes sociétés à mon associé. I took the decision to sell my companies with my partner, business partner. Et là, j'ai atteint la position de régional directeur et celle de régional vice-président. I became a regional director and regional vice president. Aujourd'hui, j'ai atteint l'indépendance financière. Today I'm financially free. Aujourd'hui, je fais le large financièrement. I earn a lot of money. Mais vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie. But you know, there is not only money in life. Il y a aussi la qualité de vie. There's also the life quality. Et moi, quand j'étais chef d'entreprise, je gagnais bien ma vie. And as I was an entrepreneur, I earned a lot of money. Mais j'avais zéro qualité de vie. But I had no life quality. J'avais pas de temps. I don't have any time. J'avais pas de temps pour moi et ma famille. I didn't have any time for me and my family. Et j'ai un petit garçon, moi, qui vient d'avoir 13 ans, là, en février. I have a little son, he's 13 years old. Il s'appelle Enzo. He's called Enzo. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais mes sociétés, and, when I used to have my companies, je partais le matin. I lived home in the morning. Mon fils y dormait. He was sleeping. Je rentrais le soir très tard. When I get back home, mon fils dormait. Really late in the evening, my son was still sleeping. Et le week-end, c'est vrai que dans la remise en forme, les gens font du sport le week-end. And you know, on weekend, people are making sports. Et un week-end sur deux, où c'était mon associé Kevin Joanny qui travaillait, où c'était moi. And one weekend on two, my business partner Kevin Joanny was working or me. Et un week-end sur deux, je voyais pas mon fils. And one weekend on two, I didn't see my son. Et quand on m'a présenté à scène. But when someone present me ACN, j'ai compris de suite qu'il fallait que je démarre pour cela. I understood at once that I needed to start. Parce que si je changeais rien dans mon quotidien, because if I didn't change nothing in my life, dans 20 ans, in 20 years, je passerais à côté de l'enfance ou de l'adolescence de mon fils. I wouldn't have seen my son's childhood. Et ça, c'était pas possible. And that was not possible. Donc c'est pour cela que aujourd'hui j'ai revendu mes deux sociétés. And that's the reason why I sold my two companies. Que je fais ACN à temps complet. I'm making full-time ACN. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. I'm going to tell you something today. J'ai eu 5 sociétés dans ma vie. I've had 5 companies in my life. J'aurais rencontré ACN avant de monter une seule de mes sociétés. If I had met ACN before my companies, je n'aurais jamais dépensé un seul centime d'euro dans mes sociétés. I wouldn't have spent 1 euro in my companies. Aujourd'hui, je peux amener mon fils à l'école. Today I can bring my son to school. Je viens d'une ville qui s'appelle Toulouse. I come from Toulouse. Et à Toulouse, le rugby coule dans les veines. And in Toulouse, rugby is in our blood. Et j'ai mon fils qui joue au rugby. My son is playing rugby. Je peux l'amener le mercredi et le vendredi aux entraînements. I can bring him to trainings. Le week-end, je peux aller voir mon fils jouer. Even on weekend, I can see him playing. Je peux partir en vacances avec mon fils. I can go on holiday with him. Parce qu'avant, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais esclave de mes sociétés. Before I was an entrepreneur, I was a slave of my companies. En 2013, j'ai visité plus de 15 pays sur la planète. In 2013, I've been traveling around more than 15 countries. Aujourd'hui, je travaille avec qui je veux, quand je veux et où je veux avec ACN. Today, I'm working with the people I want, where I want and when I want. Aujourd'hui, j'ai mis en place un système qui travaille pour moi. Today, I've put a system working. Quand j'étais chef d'entreprise, when I was an entrepreneur, je pensais avoir mis en place un système qui travaillait pour moi. I thought that system was working for me. Mais la réalité, but the reality, c'était pas vrai. It was wrong. J'avais investi plus de 500 000 euros. I had invested more than 500,000 euros. Mais j'étais dépendant d'un système qui m'avait coûté beaucoup d'argent. But I depend on this system. Là, avec ACN, j'ai vraiment mis en place un système. With ACN, I built a system. Il m'a coûté que 500 euros. Only 500 euros. Mais dès le départ. But since the beginning, j'ai pris la décision de démarrer ACN comme si j'avais posé 1 million d'euros sur la table. I took the decision to start ACN. Et c'est comme ça que vous devez faire ACN. I put 1 million euros on the table. Aujourd'hui, je vais vous donner la plus puissante des formations. Today, I'm going to give you the most powerful. La phase 1. Phase 1. Et sachez une chose. And you need to know something. S'il y a des gens qui viennent de démarrer aujourd'hui cette affaire. If there are people in the arena who have just started ACN. Cette formation elle est pour vous. This training's for you. S'il y a des personnes dans cette salle qui ont perdu leur production ou leur momentum. If there are people there who have lost the production or the momentum. Cette formation elle est pour vous. This training's for you. S'il y a des gens qui n'inspirent pas leurs équipes. If there are people who doesn't inspire anymore the team, their team. Cette formation elle est pour vous. This training is for you. La phase 1 c'est quoi? What is phase 1? La phase 1 c'est recruter personnellement des gens.
phase one is recruit people personally. Pour pouvoir démultiplier votre acquisition de clients. To multiply your customer acquisition. Forcément votre chiffre d'affaires. And so your incomes. Et forcément vos revenus. And your incomes. La phase 1, c'est personnellement acquérir des clients. Phase one is a personal customer acquisition. C'est travailler avec vos branches ouvertes. You need to work with your open line. Les aider à recruter des gens. Help them recruit people. Un exemple, si vous êtes ETL. For example, if you're an ETL. Vous allez travailler avec vos ETT. You need to work with your ETTs. Et les aider à présenter l'affaire. And help them to present. Et les aider à recruter des gens. And help them to recruit people. Votre rôle aussi, c'est de les accompagner sur le terrain, acquérir des clients. And you need to go with them on the work field to acquire customers. Parce qu'une personne qui démarre. Because someone is starting. Elle a peur. She's scared. Et votre rôle de leader. And what is your leader? C'est de les accompagner sur le terrain pour briser ces peurs. And as a leader, you need to go with them to break the. Ça c'est votre rôle. What you need to do. Pourquoi être en phase 1? Why you need to be in phase one? Parce qu'il ne faut jamais dépendre de ses équipes. You need to not depend on your teamwork. Et moi, je ne dépendrai jamais de mes équipes. And I don't depend on anyone. Un leader ne dépend jamais de personne. A leader does not depend on his team. D'être en phase 1, When you're in phase one, vous allez inspirer vos équipes. You're gonna inspire your team. Vous allez inspirer votre downline. You're gonna inspire your downline. Vous allez leur montrer l'exemple. You're gonna show the example. Parce que sachez une chose. You need to know something. C'est que dans cette affaire, in this business, on ne dirige pas par les ordres. You don't lead by orders. Mais on dirige par l'exemple. You lead by example. Ça, c'est la première chose. First thing. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, now you need to understand something else. C'est que je sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont des peurs. I know that in this arena there are people who have fears. Il y a des gens qui ont des frustrations. Frustration. Il y a des gens qui ont des craintes, des doutes. There are people who doubt. Vous savez que la seule et unique chose pour effacer toutes ces craintes, tous ces doutes et toutes ces peurs, the only thing to erase doubts, fears and frustrations, c'est de passer à l'action. It's to go on phase c'est one. De passer en phase 1. To be in phase one. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui vont passer en phase 1? Are there people going phase one? Il y a cinq phases que j'aimerais parler avec vous. There are five phases. La première des phases, c'est la phase 1. First phase is phase one. C'est recruter en permanence des gens. You need to recruit people. C'est être sur le terrain en permanence. You need to be on the work field at all times. C'est sortir de sa zone de confort. You need to go out of your comfort zone. Ça c'est la phase 1. This is phase one. Ça c'est ce que vous allez devoir faire à partir de 13h aujourd'hui. It's what you need to do started today. Parce que vous pouvez assister à toutes les formations toute votre vie, à tous les séminaires de votre vie. Because you can go on every seminar and trainings. Vous pouvez être un junkie du développement personnel. You can be a junkie from personal development. La réalité. What is reality? C'est que s'il n'y a pas d'action. If there is no action. Il se passera rien. Nothing will happen. La phase 2 c'est quoi? What is phase 2? Vous commencez à manager. You're gonna start to manage. Vous commencez à passer plus de temps au téléphone que sur le terrain. You're gonna be more on your phone than on the work field. Ça c'est la phase 2. This is phase 2. Souvent malheureusement. Unfortunately, à force de passer trop de temps sur le terrain. Most of the time when you are on the work field. On tombe dans la phase 3. You're gonna be on the third phase. Et là, ce qui se passe, and what happened? C'est qu'on commence à manager des gens qui managent. You're gonna start managing manager people. Et malheureusement, and unfortunately, c'est souvent à partir de là qu'on commence à perdre sa production. You're gonna start and lose your production. C'est à partir de là qu'on commence à perdre son momentum. You're gonna start to lose your momentum. Parce que les gens vont faire ce que vous faites. Because people will duplicate what you are doing. Et non ce que vous dites. And not what you are saying. N'oubliez jamais ça. Don't forget this. Les images, the pictures, sont 10 000 fois plus puissantes que les mots. Are really most powerful than words. Les gens feront ce que vous faites. People will do what you do. Et non pas ce que vous dites. And they won't do what you are saying to them. Ça them. C'est la phase 3. This is phase 3. Et malheureusement, and unfortunately, il y a une phase 4. There is a phase 4. C'est la pire de toutes. The worst. Parce que c'est à partir de là, because it's from now, quand on commence à perdre son momentum, when you're starting losing your momentum, parce que vous savez être un leader quand tout va bien. Because you know when you're a leader and everything is going right. C'est facile d'être un leader quand tout va bien. It's easy to be a leader when everything is okay. Mais pour moi, un leader, c'est pas quand tout va bien. But for me, leader, it's not when everything is okay. C'est quand tout va mal. It's when everything is going the worst way it can be.
Et ça, c'est la phase 4. And this is phase 4. Ça, c'est une phase que j'ai connue dans le passé. I've been knowing this phase. Et juste parce que je l'ai connue, j'y reviendrai jamais. And because I know, I won't get back. Parce que c'est une phase où vous pouvez mourir. Because it's a phase you can be died. C'est la phase 4. It's phase 4. Quand vous êtes dans la phase 4, and when you phase 4, vous doutez. You're gonna start to have doubts. Et le doute est le cancer de l'esprit. And the doubts is a cancer for your mind. N'oubliez jamais ça. Le doute est le cancer de l'esprit. Never forget this. Doubts are the cancer for your mind. Et comme vous doutez, and when you doubt, vous allez commencer à critiquer. You're gonna start criticizing. À jalouser. And be jealous. À dire que c'est la faute à votre upline. It's gonna be, you're gonna say that it's your upline fault. À dire que c'est la faute de votre downline. That it's your downline fault. Que c'est la faute des crossline. Crossline fault. Que vous allez dire que les, vous allez jalouser des leaders. You're gonna be jealous of the leaders. Vous allez inventer des histoires sur les leaders. You're gonna start creating stories about leaders. Vous allez commencer à critiquer ACN. You're gonna start criticizing ACN. À dire qu'ACN ça marche pas. ACN is not working. Que les produits, les services sont pas bons. Products and services are not good. La réalité, what is reality? C'est que vous allez vous trouver des milliers d'excuses. That you're gonna find yourself a thousand and thousand of your excuses. Mais la réalité, what is reality? C'est que le problème, il vient de vous. The problem is coming from you. Il ne vient pas des gens. It's not coming from the people. Il ne vient pas de la société. Not from the company. Le problème, il vient de vous. The problem is you. Et malheureusement, unfortunately, il y a des gens dans cette salle, there are people in this arena, qui font partie de la phase 4. That are in phase 4. Et si aujourd'hui vous ne prenez pas la décision avec vous-même, if today you don't take any decision, de vous remettre en question, ask yourself questions, le problème c'est que vous allez tomber dans la pire des phases. You're gonna be in the worst phase. Dans la phase 5. Phase 5. La phase 5 c'est quoi? What is phase 5? La phase 5 c'est la mort. Phase 5, you are dead. Vous êtes mort. You are dead, it's death. Il y a des gens qui veulent mourir dans la scène. Other people who want to die. Personne ne veut mourir. Nobody. Mais la réalité, c'est que si vous ne remettez pas en question, c'est ce qui va se passer. But the reality, if you don't question yourself, it's what's going to happen. La réalité, c'est que si vous ne prenez pas les choses en main dès cet après-midi, c'est ce qui va se passer. The reality, if you don't take massive action, you're going to be dead. Et vous savez que quand vous êtes mort dans la scène, vous savez ce qui se passe? And do you know what happened when you are dead in ACN? Il y a deux solutions. Only two solutions. La première des solutions, vous arrêtez définitivement le marketing de réseau. First, you definitely quit MLM. La deuxième des solutions, vous partez ailleurs. Second, you join another one. Dans une autre société en marketing de réseau. Another MLM. En pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Thinking that the grass is more green somewhere else. En pensant qu'en démarrant le premier, vous allez être le champion des champions. Because you think starting the first, you're gonna be the champions of the champions. Mais la réalité, c'est que l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. But the grass is not more green somewhere else. La réalité, c'est que si vous avez échoué aujourd'hui, vous échouerez demain. The reality is that you fail today, you're gonna fail tomorrow. Parce que le problème, il vient pas de la société. Because the problem is not coming from the company. Le problème, il vient pas des produits. Problems are not coming from products. Le problème, il vient de vous. Problems are coming from you. Et vous pouvez partir dans 100 000 sociétés si vous voulez. And you can go in thousands of MLM company. Vous échouerez. You're gonna fail. Et vous échouerez dans votre vie. And you're gonna fail also in your life. Parce que la réalité, c'est qu'ACN, c'est un miroir. Because ACN is a mirror. Et que dans un miroir, on ne peut pas se cacher. And you cannot hide behind a mirror, facing a mirror. Maintenant, il y a une phase zéro. Then there is phase zero. Maintenant, il y a une phase secrète. There is a secret phase. Vous voulez que je vous donne un secret? Do you want me to give you a secret? Est-ce que vous voulez que je vous donne un secret? Do you want me to give you a secret? Il y a une phase zéro. There is a phase zero. Et cette phase zéro, c'est le secret dans ACN. And this phase is the secret in ACN. Vous devez. You need. Et notez-le de suite. Please write down now. Vous devez investir massivement. You must invest massively sur votre développement personnel. On your personal development. Vous devez lire des livres sur le développement personnel. You need to read books on personal development. Vous devez écouter des audios sur le développement personnel. You need to listen to audios. Assister à des séminaires Go sur le développement seminars. Personnel. Vous devez regarder des vidéos de leadership sur YouTube.
You need to look at watch leadership videos on YouTube. Vous devez vous nourrir de développement personnel. You need to feed yourself with personal development. Vous devez associer la phase 1 à la phase 0. You need to couple phase 1 and phase 0. Et en associant la phase 1 à la phase 0, if you do this, vous aurez une production you're gonna have a stratosphérique. A stratospheric production. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Now I have a question for you. Si vous voulez avoir du momentum, if you want to have momentum, si vous voulez réussir avec ACN, if you want to have success with ACN, faut être en phase 1. You need to be in phase 1. Maintenant, now, si vous voulez pas réussir avec ACN, if you don't want to have success with mais ACN, que vous voulez exceller but you avec want ACN, to excel with ACN, vous devez être en phase 0 et en phase 1. You need to be in phase 1 and also in phase 2. Vous devez faire des va-et-vient entre la phase 1 et la phase 0. You need to make round trips between phase 1 and phase 0. En permanence. At all times. Tout au long de votre carrière. During all your career. Vous devez faire des va-et-vient entre cette phase 1 et cette phase 0. You need to do round trips between phase 1 and phase 0. Et votre phase 1 se nourrira de votre phase 0. And your phase 0 will feed your phase 1. C'est de cette façon-là que vous allez démultiplier vos efforts. Only in this way you're gonna multiply your work. C'est comme ça que vous allez créer des équipes qui vous lâcheront jamais. And you're gonna build and create your team will never give up. C'est comme cela que vous allez créer une activité qui sera exponentielle. And you're gonna create a big organization. Moi, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, if I have had an advice for you, c'est de tous les soirs avant de vous coucher, each evening before going to sleep, au lieu de regarder la télé, instead of watching TV, au lieu de regarder des émissions où les informations vous parlent de guerre, de meurtre, de décès, d'accident, instead of watching TV with all the bad news, c'est de lire 10 pages de développement personnel avant de vous coucher. My advice is for you to read 10 pages of a good book. Je vais poser mes questions. I'm going to ask you a question. Il y a combien de temps vous n'avez pas fait quelque chose pour la première fois? When was the last notez cette time? Question. Please write down this il y a combien question. De temps que vous n'avez pas fait quelque chose pour la première fois? When was the last time you did something for the first time? Alors maintenant, je vais vous lancer un défi. Il y a des gens qui aimeraient relever un défi dans la salle? Now I'm going to challenge you. Who is ready? Il y a des challengers dans cette salle? Are there challengers in the arena? Parce que je vous l'ai dit, le jeu commence cet après-midi. Because the game is starting now. Alors maintenant, je vais vous lancer un challenge. I'm going to give you a challenge. Que vous soyez team trainer, even if you are a team trainer, ou que vous soyez SVP, or a senior vice je vais vous lancer un challenge I'm maintenant. Going to challenge you now. Et le challenge, il est très simple. And the challenge is very simple. À partir de maintenant. Starting from now. À partir de maintenant. From now. Nous sommes le 2 mars. We are on Sunday, March the 2nd. Je vais vous demander tous les mois. I'm going to ask you each and every month de passer ETT. You're going to reach the ETT position. Tous les mois ETT. Each and every month. Tous les mois ETT. ETT. Tous les mois ETT. Each and every month you need to reach the ETT position. Que vous soyez team trainer ou SVP. Whatever you are, an ETT or an SVP. À partir de maintenant. Starting from now. Vous allez passer ETT tous les mois. You're going to reach the ETT position. C'est ça faire ACN. It's that ACN. C'est ça faire ACN. C'est sortir de sa zone de confort. So, go out of your comfort zone. Et n'oubliez pas une chose. And don't forget something. Les champions, champions ne sont pas à la recherche d'une position. They are not looking for a position. Les champions, champions sont à la recherche de momentum. They are looking for momentum. Qui va relever le défi? Who's gonna challenge? Est-ce qu'il y a des gens qui vont relever le défi? Are the people in the arena challenging? Maintenant me vient une histoire. Come to me a story. Vous aimeriez que je vous raconte une histoire? Do I want to tell you? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient que je leur raconte une histoire? Are there people there comes want a story? Me vient une histoire là. Come to me a story. Une histoire qui se passe il y a très 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 longtemps. Once upon a time, long long time ago. Dans une contrée très lointaine. In a far 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 away country. En Asie profonde. In the deep Asia. Dans cette contrée. In this country. Il y avait un royaume. There were a kingdom. Et dans ce royaume, in this kingdom, il y avait une majesté. There were a king. Un roi respecté. A respected king. Par tous les gens de ce royaume. By all his people. Tous les gens respectaient cette majesté. All the people were
had respect for the king. Et dans ce royaume, in this kingdom, il y avait un parc. There were a park. Et dans ce parc, il y avait plein d'enfants. In this park, there were a lot of children. Plein d'enfants qui étaient heureux de jouer ensemble. A lot of children that were very happy to play all together. Et dans le parc, il y avait les parents, bien sûr. And in the park, there are also the parents. Qui parlaient entre eux, qui rigolaient entre eux. They are taking care of the children that they were laughing. Qui étaient heureux et fiers d'avoir des enfants merveilleux. They were very happy. Mais dans le coin du parc, but somewhere in the park, il y avait une maman. There were a mother. Il y avait une maman et cette maman, and this mother, elle était malheureuse. She was very, very sad. Elle était malheureuse parce qu'elle avait un enfant. She was very sad because she had a child. Et cet enfant, this child, il était malade. He was sick. Il était malade parce que il ne pouvait pas s'empêcher de manger du chocolat. He was sick because he couldn't stop himself from eating chocolate. Ah oui, c'est vrai, c'est important de vous préciser aussi qu'à l'époque il n'y avait pas Benevita, tu vois. It's really important to tell you that at this time there were no Benevita. Cette mère était malheureuse parce qu'elle était en train de voir son fils de mourir. This mother was very sad because her son was dying. Le médecin l'avait prévenu en lui disant il faut que votre enfant arrête de manger du chocolat. The doctor told that her son need to stop chocolate. Mais rien n'y faisait. Nothing to do with that. Tous les jours elle disait à son enfant mon enfant mon chéri arrête de manger du chocolat. Every day she was telling her son to stop eating chocolate. Tu vas mourir. You're gonna die. Le docteur te l'a dit, il te faut arrêter de manger du chocolat, mon enfant. The doctor told you. Mais rien n'y faisait. But nothing to do with that. Rien n'y faisait. Nothing. Elle était désespérée. She was desperate. Mais dans son désespoir, as she was desperate, lui vient une lueur d'espoir. An idea come. Et là, lui vient une idée, elle se dit, tiens, je vais amener mon fils voir à la rencontre de sa majesté. I'm going to go with my son to the king. C'était la dernière des solutions pour cette maman. It was the ultimate solution. Elle va à la rencontre du roi. So she goes to see the king. Elle amène son enfant. With her son. Elle se présente au roi en lui disant. And she tells the king. Majesté. Majesty. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît, majesté, dites à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat. Please, majesty, tell my son to stop eating chocolate. C'est mon seul enfant. It's my own child. Je veux pas qu'il meure. I don't want him to die. S'il vous plaît, majesté, dites à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat. C'est pour sa vie, je supporterai pas. Please, majesty, tell my son to stop eating chocolate. Le roi regarde la mère. The king. Se retourne vers l'enfant. The mother and then the child. Prend un temps d'arrêt. Strike a pause. Regarde la mère. Then look at the mother. Et dit à la mère. And tell the mother. Madame. Madame. Revenez me voir dans 3 semaines. Come back in 3 weeks. La mère est désespérée, elle ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le roi ne l'aide pas. The mother was desperate. Why the king is not helping me? Le roi la regarde. The king looks at the mother. Il lui répète, revenez me voir dans 3 semaines. And he repeats, come back in 3 weeks. Maintenant, il est temps de partir. Now it's time to go. La mère repart avec son enfant. The mother get back home with her son. Elle rentre chez elle. She get home. Et pendant les 3 semaines qu'on suivit, and during these 3 weeks, elle répète chaque jour à son enfant d'arrêter de manger du chocolat. Each and every day, she tells her son to stop eating chocolate. Mais rien n'y fait. But nothing to do with that. Jour après jour. Day after day. Semaine après semaine. Weeks after weeks. Son état de santé s'aggrave. The child is getting bad. Il continue à prendre du poids. Is getting weight also. Les 3 semaines passent. 3 weeks after. Elle retourne voir le roi. She get back to the king. Et face au roi, se met à genoux. And facing the king. Mon roi, je vous en supplie. She supplies. Mon roi, je vous en supplie, dites à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat. Please, my king, tell my son to stop eating chocolate. Mon roi, je vous en supplie, dites à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat, il va mourir. Please tell him he's gonna die. Je suis prêt à tout, mon roi. I'm ready for everything. Dites à mon enfant, s'il vous plaît, d'arrêter. Tell him to stop. Je ne supporterai pas que mon enfant meure. I will not live if he dies. Le roi regarde l'enfant. The king look at the child. Et dit à l'enfant. And tell him. Mon enfant. My son.
Je te demande d'arrêter de manger du chocolat. I ask you. Tu vas mourir. To stop eating chocolate. You're gonna die. Tu vas mourir, mon enfant. You're gonna die, my son. Tu dois arrêter de manger du chocolat maintenant. You need to stop eating chocolate now. Je suis ton roi. I'm your king. Et si je te dis d'arrêter du chocolat, fais-moi confiance. Tu peux avoir ma parole, il faut que tu arrêtes de manger du chocolat maintenant. And if I tell you to stop eating chocolate, you can trust me, I'm your king. Fais-le pour toi, fais-le pour ta mère. Do it for you, do it for your mom. Mais fais-le. But do it. L'enfant est émerveillé. The child is just surprised. Il regarde le roi et lui dit. He look at the king and tells him. Mon bon roi, je vous promets, dès maintenant, j'arrête de manger du chocolat. My king, I tell you, from now I'm stopping eating chocolate. Je vous jure, mon roi, dès aujourd'hui, j'arrête de manger du chocolat. I swear, my king, from today I stop eating chocolate. Le regard du roi et de la mère se croisent et on comprend dans leur regard qu'ils sont vraiment contents. King and the mother are looking at each other and they are really happy. Parce qu'ils voient dans le regard de l'enfant que l'enfant est sincère. Because they know that the child is true. Et avant de rentrer chez eux, and before they get back home, la mère se retourne vers le roi. The mother look at the king. Et elle demande au roi. And she asked him. Mon roi. Majesty. Pourquoi il y a 3 semaines, vous n'avez pas dit à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat? Why 3 weeks ago you didn't tell my son to stop eating chocolate? Le roi la regarde. The king look at the mother. Et lui répond. And tells her, Madame, Madame, il y a 3 semaines, je ne pouvais pas me permettre de dire à votre enfant d'arrêter de manger du chocolat. 3 weeks ago, I could not tell your son to stop eating chocolate. Parce que moi-même, je mangeais du chocolat. Because I was eating chocolate. Si aujourd'hui je suis le roi et un roi respecté par mon royaume, if today I am the king and a respected king, c'est que je dirige par l'exemple et non par les ordres. It's because I'm leading by example. Pour pouvoir dire à votre enfant, pour pouvoir dire à votre enfant d'arrêter de manger du chocolat, and if I wanted to tell your son to stop eating chocolate, il fallait que moi-même j'arrête de manger du chocolat. I needed myself to stop chocolate. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'était l'histoire du roi, de la mère et de l'enfant et du chocolat. It was the story of the king, the mother, the child and the chocolate. Mais il y a une moralité à cette histoire. And there is a morality. Vous voulez connaître la moralité de cette histoire? Do you want to know it? La moralité de cette histoire? The morality of this story? La moralité de cette histoire? The morality of this story. Quand les leaders arrêtent d'être en phase 1, ils arrêtent d'être des leaders. When leaders stop phase 1, they are not anymore leaders. Have a good day.